Salut les Fresh Notes et bienvenue dans Fresh, la seule émission qui est douce comme le câlin d'un bébé panda. J'espère que vous avez faim d'infos parce qu'on vous a mitonné une émission aux petits oignons. Dans Fresh Ciné, focus sur le documentaire le plus mignon de l'année, il s'agit de Né en Chine. Dans iFresh, le jeu NAC 2 est de sortie pour votre plus grand plaisir. Et dans Extra Fresh, vous pouvez commencer à vous échauffer parce qu'on retrouve les internationaux de France de gymnastique. Et en fin d'émission, je vous le dis pas. Bon ok, les mystères d'Hunter Street vont revenir, mais je vous en parle tout à l'heure. Alors monsieur le chat, il vous plaît ce programme? Yeah, Fresh, c'est parti! Il y a tant de beauté. C'est extraordinaire. Né en Chine va vous entraîner dans un fabuleux voyage au cœur des régions les plus sauvages de la Chine, là où très peu d'humains se sont aventurés. Vous retrouverez Yaya, une maman panda qui guide son petit Mei Mei alors qu'il explore le monde et gagne en indépendance. Ouh là là, très beau roulé, boulet Mei Mei. Mais attention quand même, hein. Stop. Parfait. Petite anecdote rigolote, pour s'intégrer aux animaux, le réalisateur et son équipe ont dû porter des costumes noirs et blancs pour leur donner l'apparence mais aussi l'odeur de vrais pandas. Et voici Tao Tao, un singe doré de 2 ans qui va explorer tout son petit monde. Et enfin, Dawa, une panthère des neiges qui aura quelques difficultés pour élever ses 2 petits dans l'un des lieux les plus reculés du monde. Vous l'aurez compris, Né en Chine, c'est un documentaire aux images époustouflantes à aller voir de toute urgence. Le jeu NAC revient dans un deuxième opus et ça, c'est trop cool! Ça faisait 4 ans qu'on attendait son retour et ça commençait à faire long. Dans ce jeu, vous contrôlerez le héros qui s'appelle, NAC. Et vous allez voir, il est hyper fort. C'est une créature capable de changer de taille lorsqu'il incorpore des objets magiques à son corps. Vous pourrez trouver de nombreux trésors cachés et échanger avec d'autres joueurs si vous jouez en ligne. Il faudra vous battre contre de très vilains gobelins comme celui-ci là. Ah ben, c'est pas laver les dents celui-là. Vous l'aurez compris, NAC 2, c'est le super jeu de plateforme à ne pas manquer. Cette semaine, pour leur 20e édition, les internationaux de France de gymnastique reviennent à Paris. Les plus grands gymnastes du monde se défieront pour remporter les titres mis en jeu lors de l'ultime épreuve de la Coupe du Monde Challenge. Avec 38 nations représentées et près de 200 gymnastes, le spectacle s'annonce hors du commun. Vous vous rappelez de vos cours de gymnastique? Eh ben là, c'est pareil. Poutre, barre asymétrique, sol, cheval d'arçon, toutes les disciplines seront représentées pour votre plus grand plaisir. Alors venez vivre une expérience unique, un juste équilibre entre performance et spectacle. Ouh là là, il en faut de l'entraînement pour faire tout ça. Alors, petits et grands, si votre passion, c'est la gymnastique, n'hésitez plus. Foncez voir cet événement exceptionnel. Bon, je vous le dis pas. Bon, ok, je vous le dis. Les mystères d'Hunter Street reviennent pour votre plus grand bonheur. Vous allez retrouver nos 5 ados préférés qui sont toujours à la recherche de leurs parents. Les mystères d'Hunter Street, c'est sur Nickelodeon Teen du lundi au vendredi à 19h25. Ouf, je me sens mieux de vous l'avoir dit. À la prochaine, les Fresh Notes. Ciao. Nickelodeon, en exclusivité sur Canal et Numéricable.